Pas la peine, arrêtez. On les rattrapera plus de toute façon. On fait demi-tour. Allez, allez, avance! Je crois qu'ils ont abandonné. J'en ai assez de tes histoires, Daniel. Ouais, t'as vu comment ils sont devenus fous quand j'ai battu le gros au bras de fer? Un jour, ton sale caractère nous causera des problèmes. J'ai toujours réussi à m'en sortir. On a chevauché assez longtemps. On va camper par là pour la nuit. Allez, hey. Une douzaine de tout frais comme vous les aimez. Merci, Madame Evans. Bonjour, Eden. Shérif Holden, qu'est-ce qui vous amène ici? Je fais ma ronde. Je viens prendre des nouvelles de vous et de Cassie. Nous allons bien. Voulez-vous boire un peu d'eau fraîche? Non, merci. J'ai encore du chemin à parcourir. Je vois que vous avez eu quelques dégâts. Oui, on va s'en occuper. Je n'ai toujours besoin d'aucune aide. Entendu. Mais vous êtes toujours le bienvenu. Ma vieille blessure me fait souffrir, donc l'orage n'est pas loin. Vous croyez? Nous avons une journée radieuse. Ma vieille blessure ne me trompe jamais. Ça pourrait être violent. Alors protégez-vous bien et calfeutrez-vous. Allez, ya! Alors, qu'est-ce que t'as prévu pour le dîner? Y a pas mal de gibier dans le coin, si t'allais t'occuper du menu. En Californie, les collines regorgent d'or. Quand on aura trouvé un bon gisement, j'emporterai mon trésor dans l'Oregon. Je m'achèterai un ranch de la taille du Delaware, hein? Je me trouverai une jolie femme, je fonderai une famille. Et toi? J'essaierai d'attraper un bateau qui va vers San Francisco. Je vais me rendre en Chine. En Chine? Et qu'est-ce qu'il y a en Chine? J'ai toujours eu envie de voir la Grande Muraille. Et après, on verra. T'as l'intention d'aller chasser ou je dois tout faire? Tu me rappelles ma mère. Faut se construire un abri. Tu prends toujours soin de moi. Une vraie mère, je te dis. Ouais, faut bien, j'ai pas le choix. Tu fais ce que tu veux. Et moi, je serai très heureux de dormir sous les étoiles. Et quand je serai cousu d'or, j'aurai un domestique qui m'apportera à manger. Tu étais censée m'attendre dans le jardin. Ne te mets pas en colère. J'ai terminé le jardin et je suis allée porter quelques fleurs sur les tombes de papa et maman. Et je sais que ça a l'air idiot, mais je suis restée là et je leur ai parlé. Je n'ai pas vu le temps passer. Non, c'est pas idiot. Je leur parle, moi aussi. Toi aussi? Oui, moi aussi. Il semblerait qu'un orage se prépare. On ferait bien de décrocher le linge et de rentrer les animaux dans la grange. De quoi ça a l'air dehors? C'est l'averse. Un grand vent. Un très grand vent. C'est un orage terrible. Oui, ça je le sais. Je voudrais savoir si la grange tient bon. Elle est solide, elle tiendra. Comment fais-tu pour rester assise tranquillement et coudre alors que dehors le monde entier part en morceaux? J'ai promis à Madame Bank de lui finir sa jupe sans faute pour demain. Et s'il pleut encore? Fini d'essuyer la vaisselle. Ainsi tu penseras à autre chose. Cassie, tu ferais bien d'aller chercher le balai. Je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. C'est cet orage qui me fait peur. Le jardin a bien souffert, mais on peut récupérer les tomates en faisant du jus. Je vais prendre le temps de le remettre en état. Heureusement que tu as mis les animaux à l'abri hier soir. Oui, il n'y a que les poules qui sont sorties.
Par où on commence? Par voir ce qu'on peut faire pour la grange et nourrir les poules, puis nous irons en ville afin que Madame Banque me paye la jupe qu'elle me doit. Si on s'occupait de remettre tout ça en ordre? Chaque chose en son temps. Quand nous serons en ville, nous prendrons quelques planches chez le droguiste. Je pourrais rester ici et nettoyer un peu le jardin. Cassie, tu m'accompagnes. Hélène, tu n'es que ma sœur, et non ma mère. Et alors? Ce n'est pas joli de la part d'une grande sœur de donner des ordres à sa petite sœur. D'accord, alors Cassie, voudrais-tu m'accompagner en ville aujourd'hui? J'en serais enchantée. On mangera une tarte aux pommes chez Milly. Lorsque nous aurons fini toutes nos emplettes. Cassie Barlow, tu es la plus têtue de toutes les jeunes filles. Je suis ta sœur. Je vais nourrir les poules. Voilà, c'était la dernière. Alors, on peut aller chez Milly? Eh bien, je crois que tu l'as mérité. Allez, viens, on va se régaler d'une bonne part de tarte aux pommes. Hélène, Cassie, c'est rare de vous voir deux jours de suite. Eh bien, chérie, vous aviez raison à propos de vos vieilles douleurs. Elles ne me tombent jamais lorsqu'une tempête se prépare. Mais comment vous avez supporté ça, vous? Nous avons subi de gros dommages. Mais aujourd'hui, vous avez besoin d'un ouvrier, finalement. Oui, il me faudra un peu d'aide, je l'admets. Je pourrais lui payer des gages. Vous avez besoin d'aide depuis longtemps. Je suppose, oui. Le souci, c'est que tous les invalides ont été pris par la fièvre de l'or et ont filé vers la Californie. Inutile de vous le rappeler. Oh, désolé, je voulais pas rouvrir une vieille blessure en vous parlant de Jake. Cette blessure est cicatrisée aujourd'hui. Sachez que je garde les yeux et les oreilles grands ouverts. Je vous en sais gré, chérie. Mesdemoiselles. Chez Milly, cuisine familiale. Ça me tente, moi. Je l'ai vue hier. Alors, elle va mieux? Oui, elle est rétablie. Mesdames, bonne journée. On va déjeuner. Pas de grabuge. Vous vouliez autre chose? Non, merci, Milly. Merci. Où est Rose? Oh, elle est allée chercher de la farine. Elle sera là dans un instant. Milly, j'aurais voulu connaître les derniers potins. Tu aurais un peu de temps? Ouais, dès que Rose reviendra pour me seconder. Mesdames, ah, on peut dire que dans cette ville, il y a de belles femmes. Vous désirez quelque chose, monsieur? On va manger, oui. Un bon repas chaud. On voyage depuis longtemps et c'est nous qui faisons la cuisine. Cassie, arrête de les dévisager, c'est très impoli. Eh bien, le plat du jour, c'est poulet purée. Ça me convient. Oui, moi j'en voudrais deux. D'accord, alors trois plats du jour. Et pour boire? De l'eau, ce sera parfait, merci. De rien. Oui, ça a l'air d'être une petite ville drôlement calme. Je détesterais être coincé ici. Il y a beaucoup de gens qui s'en contentent. Ouais, mais pas moi. Et me balader, c'est ce que je préfère. Mesdames, bonjour à vous. Je pourrais pas être mal élevé, alors je me présente. Daniel Whittaker. Et vous, comment vous appelez-vous? Alors, c'est tout ce que vous dites. Hein? J'essaie d'être gentil et ces dames sont très impolies. On va manger et on va s'en aller. Et pourtant, j'étais amical avec vous, mesdames. Et je peux pas obtenir un simple bonjour en retour. Bonjour. Excusez-moi. Tu voulais qu'on te dise bonjour? Je te dis bonjour. Je voulais que ce soit elles qui le disent. Ben, on dirait bien qu'elles ne veulent pas discuter avec toi. Vous deux, occupez-vous de vos affaires.
président. Attendez, vous n'êtes pas obligé de partir. Daniel, cherche pas les ennuis. T'inquiète, mais c'est ces deux-là qui les cherchent. Non, on ne veut pas de problème. Mais si tu insistes, on peut en parler dehors. Voilà ce que je te propose. Tu t'en vas maintenant. Et il n'y aura pas de dégâts. Johnny, Samuel, qu'est-ce que vous faites? T'as compris? Alors on sort dans la rue ou tu fous le camp? Arrêtez de vous battre! Mais arrêtez-vous! Vous entendez? Je vous ai dit d'arrêter! Ça suffit! J'apporte la farine! Je tire sur l'homme qui donne le prochain coup de poing. Il faut dire que ce fusil ne fait pas toujours le bon choix. Il pourrait vous descendre tous. Les mains en l'air et tout le monde s'assoit. Le shérif, c'est... J'ai dit assis. Quelqu'un a vu qui a commencé? Billy, s'il vous plaît. Savoir ce qui s'est passé? J'étais dans la cuisine. Hélène est venue me chercher et on est arrivé au moment où la bagarre commençait. Bien, tâchons de débrouiller tout ça. Si vous voulez bien entrer, messieurs. Nos chevaux sont restés attelés dans la rue. Ne vous tracassez pas pour vos chevaux. Ils dormiront ce soir dans une écurie. Bien sûr, il faudra régler leur pension. Faites comme chez vous. Je suis pas sûr que ce soit juste, shérif. Les deux autres sont aussi fautifs que nous. Les témoins disent que c'est votre ami qui a lancé le premier coup de poing. Ils m'ont provoqué. C'est tout ce que vous avez à dire? Et vous, qu'est-ce que vous dites pour votre défense? Que j'ai pas eu le temps de déjeuner. Et que j'ai très faim. Je vais vous commander quelque chose chez lui. Si elle accepte de vous nourrir après ce qui s'est passé. Merci beaucoup, shérif. Pas eu le temps de déjeuner. C'est tout ce que t'as trouvé à dire. On s'est fait avoir, c'est tout. C'est à cause de toi. Tu le sais. C'est de ta faute, encore une fois. Encore une tempête comme celle-là et tout s'écroulera. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette des tasseaux solides cette fois. On n'est pas assez forte pour creuser des trous profonds. On apprendra. Attrape la boîte à outils, on va clouer les planches pour que les chevaux puissent entrer dans l'enclos. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il envoyé un orage si épouvantable? Papa disait qu'on attribue au Seigneur ou à Satan des choses avec lesquelles ils n'ont rien à voir. Parfois, des événements se produisent. C'est le cours normal des choses. Oui, mais ce n'est pas très normal. C'est pourquoi notre foi doit rester intacte. C'était excitant chez Millie aujourd'hui. Si tu veux formuler ça comme ça. Tu dirais quoi, toi? Curieuse façon de se comporter et très grossière. On va remonter la planche. Bonjour, Rose. Bonjour, shérif. Maman a préparé ça pour les prisonniers. Oh, tu peux t'approcher, t'as rien à craindre. Bonjour, petite jeune fille. Qui es-tu? Moi, c'est Rose, la fille de Millie. Ça sent très bon. Merci, Rose. Oui, maman vous en veut beaucoup d'avoir saccagé son restaurant, mais elle a décidé de vous faire à manger tout de même. C'est de la charité chrétienne, a-t-elle dit. Merci, nous lui en sommes reconnaissants. Merci, Rose. Regarde, c'est toujours ça, le poulet et la purée. Si vous voulez un peu d'eau cette nuit, voyez avec le shérif adjoint. Quand vous aurez terminé votre repas,
Laissez les assiettes sous la porte et on se verra demain matin. Hé, shérif. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Si vous plaidez coupable, vous paierez la totalité des dommages, ainsi que l'amende. Quels sont les dommages ? Oh, j'ai pas encore tout calculé, mais la vitrine est à remettre en état. J'ignore combien va coûter la réparation totale, c'est-à-dire la vitrine, la table, une chaise ou deux. Bon, on plaide non coupable, alors ? Très bien. Quand le juge sera en ville, on organisera un procès en prison. Quand le juge sera en ville ? Oui, c'est ça. C'est un juge itinérant. Il couvre tous les comtés. Il devrait être là d'ici 30 jours. Je vais pas rester en prison pendant un mois. Alors vaut mieux plaider coupable. Vous appelez ça de la justice ? Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de bon, la allez, justice. Ça. On va plaider coupable. Non, je vous dis que non ! Bien. Je vois qu'il vous faut un peu de temps pour en discuter. Vous avez toute la nuit. Je suis pas d'accord, Clark. On plaide pas coupable. T'as donné le premier coup de poing. On a à peine $3 devant nous. Ça couvrira pas les frais de la vitrine. Peut-être qu'on peut rembourser en travaillant. Non, pas moi, mon vieux. J'ai plein d'autres choses à faire. D'endroits à visiter, des gens à rencontrer. Au cas où t'aurais oublié, on est en cellule. Il n'y a pas de cellule dont je pourrais pas me sortir, mon vieux. On n'a jamais été encore sous les verrous. De quoi tu parles ? T'as aucune imagination, Clark. T'en as jamais eu. C'est une partie de ton charme, du reste. Déguste ton poulet, il dort. Ils vont descendre. Il n'est pas trop tard. Viens avec moi. Alors tu crois que tu vas vraiment t'en sortir ? Serre-toi ta tête pour une fois. Faut qu'on paye notre dette. On n'est pas venu jusqu'ici pour rester enfermé derrière des barreaux. Si on s'en va pas tout de suite, on n'ira jamais jusqu'en Californie. Grandis un peu par pitié. Bonne chance, Clark. Viens me voir quand tu seras dans l'Ouest. Si jamais tu arrives un jour. J'ai ramassé les œufs. Les poules n'ont guère pondu hier. Sans doute à cause de l'orage. Ça va rentrer dans l'ordre. Tu as besoin d'aide au jardin ? Oui, avec plaisir. Tu sais, si on agrandissait le potager, on aurait plus de légumes à vendre. On verra ça après avoir fini de remettre les tuiles sur le toit de la maison et de réparer la porte de la grange. Et dans l'enclos, il y a les nouvelles planches à poser.
On n'était pas si proches quand papa était encore en vie, hein? Non. Comment tu expliques ça? Je suppose que c'est la différence d'âge. Et j'ai été prise dans un tourbillon qui a tourné la tête à la jeune femme que je suis. Tu parles de Jake? Ouais, de Jake. Est-ce qu'il te manque? J'essaie de ne pas trop y penser. Ça fait bientôt 2 ans et tu n'as reçu aucune nouvelle de lui. Tu crois qu'il est mort? Je l'ignore. Mais s'il n'était pas mort, il t'aurait écrit ou fait passer un mot par quelqu'un de sa connaissance? Quand il est parti, on s'est quitté en mauvais termes. Quand tu te sépares de quelqu'un que tu aimes de cette façon, sa disparition est encore plus difficile. C'était lui l'amour de ta vie? Il faut connaître quelqu'un pendant des années avant de le savoir. L'amour grandit au quotidien et n'a rien à voir avec les contes de fées, Cassie. Tu crois que je trouverai l'amour de ma vie? Oui, tu le trouveras. Mais en attendant, on continue de nettoyer le jardin. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Quand je suis allé voir si tout allait bien, la cellule était ouverte. L'un d'eux avait disparu, l'autre était assis à l'intérieur. Disparu comment? J'ignore ce qui s'est passé. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé. Tu t'es endormi et le prisonnier s'est échappé en se servant de sa fourchette. Tu mériterais que je t'enferme à sa place. Allez, fiche le camp. Je verrai quoi faire de toi plus tard. Monsieur Clark Davis, on dirait que vous êtes tout seul. Il semblerait. Monsieur Whittaker est entré par effraction dans l'écurie, a pris son cheval et a disparu de cette ville. C'est sûrement exact. Je suppose que vous savez rien de ce qui s'est passé ici. Et moi, je suis là. Ouais, vous êtes là. Je me suis endormi. Oui, et mon adjoint également. À mon réveil, j'ai vu Daniel qui forçait la serrure. J'ai essayé de lui faire entendre raison. Je suppose que vous allez lui courir après. Ce serait une perte de temps. Il finira du mauvais côté quelque part, à moins que le diable ne le rattrape avant. On apposera son nom sur les avis de recherche. On est amis depuis l'enfance. Oui, il faut se méfier de celui qu'on appelle ami. Bon, je plaide coupable. Je vous écoute. Trouble sur la voie publique, c'est de l'ordre de 10 dollars. Les réparations chez Emily se monteront à environ 30 dollars. J'ai 1,50 $. Oh, ça couvrira environ 3 semaines de pension pour nourrir votre cheval. Je vais vous chercher votre déjeuner, puisque vous restez ici. Shérif, attendez. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que je pourrais pas m'en acquitter en travaillant? Je pourrais m'entretenir avec vous. Je voudrais mettre au point quelque chose qui concerne ce monsieur. Je vous écoute. Assieds-toi. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est devenu l'autre? Il s'est évadé la nuit dernière pendant que mon adjoint dormait. Je suis arrivé ce matin et j'ai constaté que celui-là était resté. La porte était grande ouverte. Pourquoi pensez-vous qu'il soit resté? Je pense que c'est un jeune homme responsable qui souhaite bien se comporter vis-à-vis de vous et de notre ville. En fait, c'est pour ça que je suis venu vous parler. Allez-y, j'écoute. On n'est plus très loin. Vous permettez que je vous demande où nous allons? Non. Non, vous ne me permettez pas ou vous ne voulez pas répondre? À la ferme des Barlow. Hélène Barlow y vit avec sa petite sœur Cassie. Elles auraient besoin d'un coup de main. Elle paie pas beaucoup, mais ça suffira à rembourser ce que vous devez. Deux femmes qui vivent seules? Le père est mort l'hiver dernier, la maman est décédée en accouchant de Cassie. Vous craignez pas que je m'enfuie? Donnez-moi votre parole que vous resterez. Vous avez ma parole. Alors votre parole me suffit.
Mais si vous filez, je vous retrouverai. Et je devrais vous tuer. Vous pourrez camper par là. Proche de votre travail, assez loin des jeunes filles. Il y a beaucoup de gibier dans le coin. Vous trouverez bien. Hélène ! Cassie ! Hélène, c'est le shérif Holden. Bonjour, shérif. Cassie ? Bonjour, shérif. Hélène ? Cet homme qui est avec le shérif, c'est celui qui s'est bagarré chez Millie ? Oui, j'ai l'impression. Shérif ? Que pouvons-nous faire pour vous ? Moi, je peux faire quelque chose pour vous. Hélène Barlow, Cassie Barlow, voici Clark Davis. La solution à vos problèmes de réparation. Shérif Holden, voudriez-vous mettre pied à terre que nous discutions en privé? Oui, bien sûr. Cassie, tu peux surveiller mon cheval? Vous et les autres gars, vous avez tout abîmé chez Millie. Ouais, on a fait des dégâts. Et j'en suis vraiment désolé. Ça, c'était une grande bagarre. La plus belle que j'ai jamais vue. En fait, la seule que j'ai jamais vue. Rose aussi. Rose, c'est la fille de Millie. Cassie, occupe-toi du cheval. Et cesse de parler. Pourquoi avoir amené ce criminel jusqu'ici? C'est pas un criminel. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sera un homme à tout faire qui travaillera pour vous pour rembourser Millie et la justice. Il a commencé une bagarre, je n'ai pas confiance. C'est pas lui qui a commencé, c'est Millie et vous qui avez dit ça. Je ne vois pas le rapport. Moi, je pense que ça en a un. Je crois être un assez bon juge de la nature humaine en disant que ce garçon est solide et a du caractère. Vous ne le connaissez que depuis une journée. L'autre a fracturé la serrure et s'est enfui. Celui-là est resté pour faire face. Ça m'en apprend beaucoup sur son caractère. Non, trouvez-moi quelqu'un d'autre. Hélène Barlow, vous êtes aussi obstinée que votre père. Puis sachez que j'ai personne d'autre. Et vous avez besoin de lui. Bien. Mais sous forme d'essai. Une semaine seulement. Moi, les 1,50$, il m'a payé. Il doit 38,50$. Les gages d'un mois devraient couvrir la dette. Je suis dit de camper sur la colline. Merci, Cassie. De rien, chérie. Vous partez ? Et apparemment. N'ayez crainte, je passerai contrôler la situation régulièrement. Au revoir, shérif. Porte-toi bien, Cassie. Vous aussi, shérif. Cassie. Je voulais vous dire que c'est un plaisir de vous rencontrer et que j'apprécie beaucoup cet emploi. Écoutez, monsieur. Quel est votre nom? C'est Davis, Clark Davis. Monsieur Davis, j'avoue que je ne suis pas très à l'aise d'avoir affaire à des gens comme vous. Mais on a besoin d'un coup de main et il n'y a que vous de disponible. Des gens comme moi. J'ai entendu votre ami dire que vous étiez chercheur d'or. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ceux qui cherchent de l'or sont des rêveurs qui courent après des mirages et qui veulent devenir riches très vite. Mais s'il y a de l'or, on peut en trouver. Écoutez, si vous voulez travailler ici, vous feriez mieux de vous y mettre. La journée est déjà bien entamée et si je vous paie tous les jours, j'attends une journée complète de travail. Vous l'aurez, votre journée complète. Dites-moi ce que je dois faire. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Vous pourriez commencer par la porte de la grange. D'accord. Elle n'est pas si dure une fois qu'on la connaît. Je vivrai peut-être pas assez vieux pour la connaître. Il y a des outils et une échelle dans la grange et vous trouverez les planches derrière. Suivez-moi, je vais vous montrer, monsieur Davis. Oh, appelez-moi Clark. Monsieur Davis, c'est mon père. C'est dangereux, faut vous méfier. Ouais, merci du conseil. Vous allez vous en sortir? Je crois que je vais y arriver. Cassie, veux-tu venir, je te prie? Faut que j'aille voir ce qu'elle veut. Tu as besoin de moi? Oui, bien entendu. Mais je l'aide à réparer la grange. Je voudrais que tu rentres. Tu avais quelque chose de particulier à me dire? Je crois qu'il vaudrait mieux maintenir une certaine distance avec lui le temps de le connaître. Comment veux-tu qu'on le connaisse si on maintient de la distance? Nous ne savons rien de lui à part qu'il a entamé une bagarre et qu'à cause de ça, il s'est retrouvé sous les verrous. Alors je t'en prie, ne t'approche pas de lui pour le moment.
Il a besoin de moi. Faudrait peut-être que j'y retourne. Cassandra May, tu as entendu ce que je viens de dire? Oui, j'ai entendu, Hélène, Louise. Vous l'avez réparé? Je pense, oui. Par moment, je dois rappeler à Hélène qu'elle est ma sœur et non pas ma mère. Elle s'inquiète pour vous? Je peux me débrouiller sans elle? Oh oui, mademoiselle, ça j'en suis certain. Donc vous allez vers la Californie? Je trouve ça si exaltant. Votre sœur n'est pas de cet avis. C'est à cause de Jake. Jake? Jake Weller. C'était un peu comme son fiancé. Il a attrapé la fièvre de l'or et il est parti vers la Californie, ça fait 2 ans. Il voulait qu'elle l'accompagne là-bas, mais elle, ça lui disait rien. Ah oui? Qu'est-ce qu'il est devenu? On l'ignore. On n'a aucune nouvelle depuis. Ah. C'est pour ça qu'elle a un préjugé contre les chercheurs d'or? Oui, c'est tout à fait ça. Elle conserve une certaine rancune envers Jake. Oui, j'ai bien l'impression. Vous pouvez prendre le tasseau et le glisser sous la porte? Merci. Vous m'avez beaucoup aidé. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais, je crois. Ça a l'air de tenir. Jusque-là, oui. Ça fonctionne, on dirait. Ouais, je l'ai remise dans ses gonds. C'est le plus important. Cassie, il faut qu'on aille porter mes travaux de couture en ville. Va remplir la carriole et tiens-toi prête à partir. Et si je restais ici? Je pensais aller chez Millie pour déjeuner. Tu verras ton amie Rose. Entendu. J'attelle les chevaux. Eh bien, vous l'avez réparé? J'ai l'impression, oui. Je peux vous aider pour les chevaux? Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai l'habitude de le faire toute seule. Quels sont les autres travaux? L'enclos. Un des poteaux est très abîmé. Les 3 autres ont besoin d'être retapés. Les nouveaux poteaux sont derrière la grange. Tous les outils nécessaires sont dans la grange. Je m'en occupe tout de suite. Moi et Rose, nous allons au magasin de tissus. Rose et moi. D'accord, Rose et moi allons jusqu'au magasin de tissus. Et n'oublie pas de demander si ma commande est enfin arrivée. Tu seras de retour pour m'aider pour le dîner? Oui, maman. Merci. Je dois admettre que cette bagarre était plutôt excitante. Oh, je n'en sais rien. Il paraît que tu as engagé un ouvrier chez toi. Sur la base d'un essai d'une semaine. J'ignore si je peux faire confiance à un homme qui provoque des bagarres. Bah, c'est le shérif qui te l'a amené, non? Il semble plutôt solide, d'ailleurs. Oui, on verra. Et il n'est pas désagréable à regarder. Oh, Millie, je t'en prie. Je n'avais pas remarqué. Oh, bien sûr, tu n'avais pas remarqué. Votre bonté et votre perfection se répandent sur la vie de Cassie. Que personne n'entrave son chemin. Même pas moi. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonjour, mademoiselle Barlow. Bonjour. Quand vous aurez terminé avec ce poteau,
Monsieur Davis, n'oubliez pas que les trois autres sont détériorés. Vous me l'avez déjà dit. Mademoiselle Barlow. Oui. C'est pas moi qui ai décidé de venir chez vous. Si j'avais pu rembourser cette dette, je l'aurais fait. Mais j'ai donné ma parole au shérif que je resterai ici. Oui, eh bien alors. Je serai poli avec vous tant que je serai là. Je souhaiterais en retour la même chose. Je me montre poli avec vous, monsieur Davis. C'est un sacré travailleur, hein? Évite de dire un. Il a un bon motif pour l'être. Une fois payé sa dette, il partira très vite. Il n'a pas l'air d'un chercheur d'or comme les autres. Ils se ressemblent tous. Il court après la fortune et l'aventure. Il chantonne en travaillant. Papa fredonnait toujours en travaillant. Est-ce qu'il te rappellerait papa? Non. Je voulais juste savoir. Voici votre déjeuner. Hélène est la seconde meilleure cuisinière du comté, juste après Millie. Inutile que je vous parle de Millie, vous connaissez l'endroit. Oui, je le crains. Merci, Cassie, ça a l'air délicieux, j'apprécie. Si vous avez soif, il y a une timbale sur la pompe. Ce poteau est solide. Vous faites un travail remarquable. On dit que vouloir, c'est pouvoir. Quoi ? Mon père disait ça constamment. Je n'avais jamais entendu personne le dire depuis. On m'a dit qu'il avait disparu. Je suis vraiment désolée. Non, ça ne fait rien. Je suis très contente de l'entendre. Cassie, quand tu auras fini, tu pourras venir? Elle n'arrive pas à s'en sortir sans moi. C'est bien qu'on ait besoin de vous. Cassie, s'il te plaît. Il faut que j'y aille. Entre dans la maison et c'est ça. Je voudrais refaire l'ourlet de ta robe. Pourquoi? Parce que tu deviens si grande que tes tenues sont trop courtes. Et je veux toujours que tu sois élégante et puis le bal est pour bientôt. J'avais oublié. Cassie a raison. Vous êtes une excellente cuisinière. Merci. Voilà, tu peux faire le roulet. Il chantonne toujours. Oui, je l'entends. Il n'y a aucune loi contre ça. Tu sais, à cette époque de l'année, on peut avoir une autre tempête. Si quelqu'un devait camper dehors, ce serait épouvantable pour lui. Est-ce ta façon de me dire qu'on devrait permettre à Monsieur Davis de se mettre à l'abri? Ah, tu le crois aussi? Ton intérêt pour son bien-être est dûment noté. Ça veut dire non? Oui, allez, tourne-toi maintenant, que je termine. Tu y réfléchiras peut-être? Retourne-toi. Vous allez devenir un vrai fermier? Je vous ai pas entendu. Mon grand-père était de la tribu des Osage. Il rampait vers les lapins et les attrapait par les oreilles d'une seule main. Vous passiez par là? Non. Je suis venu voir si vous faisiez ce que vous êtes censé faire. Vous vous en tirez bien? Ouais, ça va. Hélène est un peu autoritaire, un peu têtue aussi, mais c'est une brave personne. D'accord, sur les deux premiers points, mais j'ai pas encore vu la dernière partie. Vous la verrez. Elle est courageuse. Elle a du mal à garder cette ferme en bon état tout en élevant Cassie. Ouais, sans doute. Eh ben, je suis toujours là, vous pouvez être tranquille. Je savais que vous étiez un homme de parole.
Ben, je suis jamais tranquille. Je repasserai sûrement. J'ai combien? J'ai eu une réponse au télégramme que j'ai envoyé sur Daniel Whittaker. Il se trouve qu'il s'est fait arrêter pour vol de bétail dans un comté à l'ouest. Ils vont le pendre? Possible. Curieux la vie tout de même. Si vous étiez parti avec lui, où en seriez-vous? Mais enfin, vous êtes là. Allez, viens! Ouais, je suis là. Millie, tu fais la meilleure des tartes aux pommes de ce côté du Mississippi. Qu'est-ce que tu reproches à la mienne? Rien. Elle arrive juste en second après celle de Millie. Tu es trop gentille. Et ton ouvrier, qu'est-ce que ça donne? Je l'aide, il me l'a permis. Et il me traite comme une adulte. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hélas. Il semble être un grand travailleur. Hélène est plutôt distante et réservée avec lui. Il travaille pour nous, nous ne sommes pas censés devenir amis. Tu es souvent distante et réservée avec les garçons. Oui, c'est parce que certains ne méritent que ça. Bonjour. 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 Vous avez presque fini l'enclos? Encore quelques planches et ce sera fini. Je vais aller cueillir quelques fleurs dans la prairie. Peut-être que vous pourriez en cueillir pour moi? Bien sûr, quand vous voudrez. Comment allez-vous, mademoiselle? Bien. C'est du bon travail. Merci. Mon père m'a enseigné la menuiserie. Ça m'est très utile ici. Donc, vous suivez votre rêve. Vous avez décidé de gâcher votre vie à poursuivre des illusions. Je crois que vous m'avez percé à jour, mademoiselle Barlow. Moi, je ne comprends pas comment un homme peut quitter sa famille et sa maison et voyager à travers le pays à la poursuite de quelques cailloux, peu importe qu'ils aient de la valeur. Eh bien, je crois que certains d'entre eux sont à la recherche d'une vie meilleure. D'autres veulent tout, tout de suite. Moi, c'est surtout pour l'aventure. Qu'avez-vous décidé quand vous partirez d'ici? Je vais continuer à me diriger vers l'ouest. Je trouverai un bateau à vapeur pour San Francisco, pour aller vers la Chine. La Chine? C'est une nouvelle aventure. Nouveau lieu, nouvelle civilisation. On dirait que vous n'avez aucun plan pour vous fixer un de ces jours. Si, un jour je me fixerai. Je fonderai une famille. Les poules pondent davantage depuis que vous êtes là. Je crois qu'elles vous aiment bien. Ah oui? Je vais me prendre pour un coq si vous continuez. Samedi prochain, il y a de la danse en ville. Je suis jamais allé danser. Il y a toujours à manger à foison. Il y a tous les voisins et de la musique. Votre sœur et vous irez? On ne va pas le manquer. Peut-être que vous voudrez venir aussi. Faut voir ça avec votre sœur. Voir quoi avec moi? Alors? J'attends. Pourrait-il venir danser avec nous? Eh bien, s'il en a envie, pourquoi pas? Non, ça fait rien. J'ai pas de tenue assez correcte pour y aller. Je pense qu'on pourrait lui trouver une tenue convenable. Tenez. Asseyez-vous donc. J'espère que ce costume convient. Il vous va très bien. Encore mieux qu'à mon père. Vous êtes magnifique. Je n'ai pas porté cette tenue depuis 2 ans. Depuis le départ de Jake. Oui, Cassie m'en a parlé. Elle ne peut pas s'empêcher de raconter ma vie, ce n'est qu'une enfant. En tout cas, vous êtes ravissante. Je l'ai sortie de l'armoire juste pour aujourd'hui. Allez, je suis... Hélène? Dis donc, quelle élégance. Je veux pas de grabuge, c'est compris? Oh non, on n'en a pas du tout l'intention, shérif. Hein, c'est vrai, Johnny? Oui, seulement on le trouvait très différent. Dites-nous plutôt ce que vous voulez. Ce qu'on voulait, c'était lui serrer la main. Oui. Et lui dire qu'on était en partie responsable de ce qui s'est passé.
Vous pensez ce que vous dites ? Parole d'honneur. On oublie le passé. Amusez-vous bien. Vous êtes époustouflant. On y va, allez. Venez, allons danser. John, seriez-vous assez aimable pour m'apporter un punch ? Mais avec plaisir, Hélène. Non, merci, moi ça va. Alors, est-ce que nous verrons Monsieur Davis à l'office de demain ? Je lui en ai parlé tout à l'heure en venant ici. Je pense qu'il n'est pas très pratiquant. Oh, mon Dieu. C'est dommage. Tu le trouves beau garçon ? Je te l'ai déjà dit. Moi, je le trouve passable, tout au plus. Oh, d'accord, alors disons plus que passable. Il travaille dur. C'est un excellent artisan. Apparemment, c'est une bonne nature. Il a l'air d'être de bonne composition. Juste besoin d'être un peu dégrossi. Oui, mais il s'en va bientôt. Merci pour la danse, cher monsieur. C'était un plaisir, mademoiselle. Vous ne vous débrouillez pas mal, monsieur Davis. Vous devriez inviter Hélène. Voyons, Cassie, c'est au monsieur à demander à la dame de danser. Alors, allez-y. M'accordez-vous cette danse ? Avec plaisir. Faut que je trouve Rose. Vraiment, c'est un couple magnifique. Ouais, c'est sûr. Allons-y. Ne laissez pas courir votre imagination, ce monsieur va s'en aller très vite. On verra ça. Cassie a tellement envie de devenir une femme. À son âge, moi aussi j'avais envie d'être un homme. C'est vrai ? Oui, je crois. Aujourd'hui, je sais enfin ce que je veux. Il y a tellement de choses que je croyais être très importantes dans ce monde. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'elles ne l'étaient pas. Je vous dois beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses ? Quand vous avez débarqué dans notre vie, je vous ai mal jugé. Et vous n'êtes pas la personne pour laquelle je vous prenais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Oh, laissez-moi finir. J'ai la sensation de commencer à vous connaître. Ce que vous êtes, vous, et non pas la perception que j'en avais. Et je vous aime bien. Je vous aime bien aussi. J'ai vu que la carriole était attelée, j'ai pensé que vous alliez à l'église. Nous n'avons pas d'église telle qu'on l'entend. Les offices ont lieu dehors dans un endroit commun à tous. Je vois. Bien que je vous ai déjà invité une fois, je vais le refaire. Voulez-vous vous joindre à nous ? Je vous remercie de votre offre, mais je préfère rester ici et m'occuper du jardin. On a tous besoin d'un peu de foi en Dieu. Je suis pas sûr de connaître la signification de ce mot-là. Avoir la foi, c'est croire en quelque chose de plus grand que soi-même, qui a un grand pouvoir. Eh bien, si c'est comme ça, je crois que je préfère faire des choses plus constructives. Le respect, la dévotion sont constructifs, monsieur Davis. Ce sont les travaux les plus importants. Si ça vous convient, nous sommes d'accord pour être en désaccord. Mais j'apprécie que vous me posiez la question. Je vous en prie. Cassie ! Bonjour, Clark. Cassie, je t'en prie, monte dans la carriole. Je ne tiens pas à être en retard. Permettez. Nous avons toujours un repas en commun après l'office. Il vous faudra trouver quelque chose pour déjeuner. C'est pas un souci.
Monsieur Davis? Mademoiselle Barlow. Ça fait une semaine. Voici votre paye. Est-ce que Mademoiselle Millie était à l'office? Oui, elle y était. Vous auriez pu lui donner? Non, ce n'est pas à moi de le faire. C'est mieux que ce soit vous. D'accord, merci. Le potager est devenu magnifique. Merci. Oui, les tomates sont bien mûres. Et on peut ramasser les aubergines. On peut emmener tout ça en ville demain. Je vends la plupart de ma récolte à la grande épicerie. Comme ça, vous rendrez visite à Millie. C'est d'accord. Je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais ranger mes affaires et retourner à mon campement. Nous allons commencer notre dîner du dimanche. C'est une invitation? C'est la meilleure des choses à faire un dimanche, Monsieur Davis. Je suis très honoré et j'accepte. Mademoiselle Barlow, puisque nous allons partager le dîner dominical, peut-être pourrions-nous nous appeler par nos prénoms? C'est d'accord. Faites une petite toilette avant de nous rejoindre. Bien sûr, Hélène. Vous avez cueilli ces fleurs? Pour vous. Vous l'aviez souhaité. Ça vous ennuie pas si je les emporte avec moi demain en ville? Elles sont à vous, vous les prenez. Je trouve que le jardinage est très apaisant et agréable. Vous semez des graines, vous ajoutez de l'eau, un peu de soleil et la vie jaillit comme par miracle du sol. Tout ça me semble très poétique. Je comprends ce que vous dites. J'éprouve la même chose. Nous souhaitons agrandir notre potager, faire pousser plus de légumes. Je pourrais peut-être vous aider. Avec la permission de la patronne. Je suppose que ce serait une bonne chose. Il nous faudra quelques graines de fleurs des champs pour semer autour. Ce serait joli. Qui veut dire les grâces? Je vais les dire. C'est mon tour de toute façon. Monsieur Davis, Clark, est-ce que ça ira pour vous? Ce sera parfait, oui. Seigneur, merci pour ce repas que nous allons recevoir et merci pour notre nouvel ami Clark. Prenez soin de lui. Même s'il ne croit pas beaucoup en vous, c'est un homme bon et charmant. Et puis, je vous en prie, prenez soin de maman et papa. Votre ami Cassie Barlow. Amen. Vous voyez, ce n'est pas trop difficile. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. J'ai beaucoup apprécié le repas et la compagnie. Surtout la compagnie. Vous étiez le bienvenu. On pourra peut-être recommencer? C'était spécial, c'était dimanche. Alors peut-être dimanche prochain? Peut-être bien. Cassie a pensé que ce serait plus confortable que vous dormiez dans la grange au lieu d'être dehors. Il y a un lit de camp, il y a tout ce qu'il faut. Vous auriez un toit sur votre tête. Vous êtes sûre? Elle vous l'a offert, donc c'est qu'elle en est sûre. Bien, alors, je vais me lever de bonne heure, aller chercher les courges, ramasser les tomates, les emballer pour la ville. Je vous aiderai, moi. Après les tâches ménagères. Après les tâches ménagères. Bonsoir, merci encore. Je vous en prie. Il fredonne tout le temps. Oh, oui, je l'ai entendu fredonner. Il faudrait ranger la vaisselle. Tu viens m'aider ou suis-je devenue ton esclave? C'est quand même mieux que dormir par terre. Marche.
Bon, elles sont un peu fanées, mais j'espère qu'elle les aimera. Toutes les femmes aiment les fleurs fanées ou non. C'est surtout l'intention qui compte. Alors, on se retrouve ici? Il faut qu'on passe à la mercerie et ensuite faire d'autres enquêtes. Dans une heure, ça ira? Ça me laisse du temps. À tout à l'heure. À ton avis, elles sont pour qui, ces fleurs? Ça, je l'ignore. C'est pour une fille, en tout cas. Il a dit elle. Hélène? C'est de la curiosité ou ce serait de la jalousie? Jalouse? Tu veux rire? Je ne suis que curieuse. Allons à la mercerie chercher notre commande. Puis nous irons chez Millie. Merci. Maman? Tu ferais bien de venir. Mes amis, continuez votre repas. Rose, tu t'occupes du four? Ça, c'est pour vous. Désolé, elles sont un peu fanées. Avec de l'eau fraîche, elles vont revenir. Voilà, je me suis jamais excusé. Mais je le fais maintenant. Si vous en éprouvez le besoin. Très bien, excuse acceptée. Merci, ce sont de très belles fleurs. C'est Cassie qui les a cueillies. Vous vous entendez bien avec elle. Ah oui, très bien. Voulez-vous vous asseoir et prendre une part de tarte? Oh non, je pourrais pas rester très longtemps. Ces dames risquent de m'attendre, elles font quelques emplettes. Oh, si elles font des emplettes, ça peut durer longtemps. Installez-vous. Rose, tu veux bien couper une part de tarte? Oui, maman. J'ai aussi apporté le remboursement. Vous êtes un homme de principe. Mon père est un homme qui m'a appris les principes et la responsabilité. Dans le temps, je vous aurais dit d'oublier cette dette, mais j'ai perdu beaucoup d'argent de cette façon-là. Aujourd'hui, j'ai lu la Bible et elle m'a appris à donner et à recevoir avec le même bonheur, donc... Merci. Je reçois votre argent avec bonheur et je vous donne une part de tarte. C'est très gentil à vous. Non, pas tout à fait. Je suppose que c'est le seul argent que vous avez et que vous ne pourriez pas payer votre part de tarte. Rose, tu veux me rendre service? Va faire briller l'argenterie. Ah oui, maman. Ah, quand on est jeune, on est plein de curiosité, prêt à faire des erreurs. Bonjour. La vie est parfois si étonnante. Quelque chose vous tracasse, Clark? La vie n'est qu'une grande aventure, rien d'autre. Ouais, c'est vrai. Restez sérieux. Donnez du temps à la vie. Vous ignorez ce qui vous attend au coin de la rue. Tenez, regardez qui arrive. Puisque Clark est ici, je me demandais si vous alliez passer. Si j'avais su qu'il venait ici, nous serions venus avec lui. Il m'a apporté des fleurs, regarde. Sans doute pour se faire pardonner. Mais c'est très gentil. Oh, c'est dans la cuisine. Hélène, viens t'asseoir. Moi, je vais m'occuper des chevaux. Non, restez. Ils vont bien. Il fait très chaud, ils pourraient avoir besoin de boire. Merci pour la tarte. Je crois que c'est moi qui l'ai fait fuir. C'est un garçon charmant. Il ne ressemble pas du tout à ceux qui attrapent la fièvre de l'or. C'est quelqu'un de responsable. Apparemment, oui. Il existe une énorme différence entre avoir juste une attirance pour quelqu'un et être vraiment amoureux. J'ai fait sécher les graines de tous les légumes du potager. Maintenant, il me reste à trouver des graines de fleurs des champs dans la prairie. Faites attention aux herbes hautes. Les serpents sortent à cette époque de l'année. Très bien. Le potager va être magnifique. Elle est ravie de voir ce que vous avez fait du jardin. Merci. Mais c'est un plaisir. Vous comptez planter bientôt? Ouais. Mais il faut que je retourne encore la terre, que j'y ajoute un peu de fumier, que je l'arrose. Encore quelques jours, ensuite je planterai. Vous avez l'air de tout connaître, surtout. C'est élémentaire, ça. Vous lisez beaucoup? Un peu. C'est mon père qui m'a tout appris.
Il m'a enseigné à devenir quelqu'un d'équilibré. Vous êtes proche de lui ? Très proche. De ma mère aussi. On a eu des désaccords dans ma jeunesse, mais... rien qui vaille la peine qu'on se fâche vraiment. Tant mieux, ce sera affreux. Vous croyez qu'il vous imagine creusant la terre et étalant du fumier ? Votre père rit beaucoup ? Oui. Le mien aussi riait. Il vous manque ? Tout le temps. Je pense à lui sans arrêt. Parfois, je crois que je l'entends rire comme avant. Et je me retourne en espérant qu'il sera là. C'est idiot. Non. Non, c'est pas idiot. Ce sont vos souvenirs. Sans souvenirs, nous ne pourrions pas vivre. C'est votre père qui dit ça ? Oui, il l'a appris de ma mère. Mais ne gardez que les bons souvenirs. Essayez d'oublier les autres. Ne les laissez pas vous hanter. Ah non ! Dame. À vous. Je ferais pas ça si j'étais vous. Je lis dans tes pensées. Crois-tu ? Cassie commence à s'attacher à cet homme. Oui, elle a dit à Rose que Clark Davis lui rappelait son père. Je m'en doutais un peu. Il va bientôt s'en aller. Il part vers la Californie, il va suivre son rêve. Il n'est pas comme tous les autres. Quoi ? Tu l'as dit toi-même. Oh, mon Dieu. Oh, Millie. Non, ne va surtout pas en tirer des conclusions. Tu es très gentille avec lui. Non, je ne suis pas gentille avec lui, Millie. Je n'ai ni le temps, ni l'envie de me lancer dans ce genre d'aventure, tu vois. C'est un brave homme. Ce qui rendra les choses plus difficiles quand il partira. Il faut que tu penses à Cassie. Elle n'a pas connu sa mère, elle a perdu son père. Comment va-t-elle supporter de le voir partir ? Vous avez vu Cassie ? Elle m'a dit qu'elle allait cueillir des fleurs et qu'elle se rendait sur la tombe de vos parents. Quand elle leur parle, ça l'apaise. On a tous besoin de ça de temps en temps. Elle s'est beaucoup attachée à vous. C'est une charmante jeune fille. Votre travail ici est bientôt fini. Je crois que oui. Vous vous dirigez vers l'ouest, la Californie ? C'est mon plan depuis très longtemps. Je crains que ça se passe mal avec Cassie. Ce sera dur aussi pour moi. Et vous ? Comment, moi ? Ma mère dit qu'une personne qui répond à une question par une question essaie d'éviter la première question. Vous avez sûrement très faim. Je vais vous faire votre déjeuner. Tu crois que le Seigneur en veut beaucoup à Clark de ne pas respecter le dimanche ? Je crois que le Seigneur n'en veut à personne. Je pense qu'en tant qu'être humain, nous possédons ce privilège. Comment a été l'office ? C'était magnifique. Millie a préparé un pudding pour le repas commun. Il était délicieux. Elle a demandé de vos nouvelles, ainsi que Rose. Cassie, tu veux entrer et te changer ? Rajoute de la farine sur le poulet. J'arrive de suite pour écraser les pommes de terre. La paye. Est-ce que ça va ? Oui. Oui. Merci. Pour... l'argent ? Ah ! Vous les avez bien gagnés. Je voudrais pouvoir faire plus. Non, ça suffit. C'est dimanche ? Oui, exact. Voulez-vous vous joindre à nous pour le dîner ? C'est une invitation.
Rappelez-vous ce que disait votre mère à propos des gens répondant à une question par une question. Oui, j'en serais ravi, j'accepte. Préparez-vous, je vais faire frire le poulet. Je détaille la carriole. Et après, qu'est-il arrivé? Alors Daniel et moi, on rampait derrière ces détrousseurs de cadavres sur une route si sombre qu'on ne voyait pas nos pieds. Vous aviez peur? Oui, un peu. Et ces sales voleurs ont eu soif. Alors ils ont laissé les cadavres sur la route et se sont dirigés vers une rivière pour se désaltérer. Et ensuite, que s'est-il passé? Daniel et moi, nous avons traîné un des cadavres et l'avons jeté dans le fossé. Puis Daniel s'est allongé, comme ceci. Et s'est étendu à la place du cadavre. Mais vous voulez rire? Non, c'est la vérité. Quand les hommes sont revenus sur place, ils n'ont pas réalisé qu'un des cadavres était un peu plus court. Et vous auriez vu Daniel faisant semblant un vrai cadavre. Et qu'a dit Daniel? Il a dit... Ça va aller, je suis pas trop lourd. J'étais un peu chahuteur dans ma jeunesse. J'imagine, oui. Bonjour, Clark. Mademoiselle Millie. Ça y est, vous partez, c'est décidé. Absolument. Le temps glisse entre nos mains. Il est si précieux et jamais on ne peut l'arrêter. Pour moi aussi, le temps a filé. Peut-être parce que j'étais très occupé. Quand on est vraiment heureux, le temps file aussi. Ouais, je pense. Ça n'a pas été très long. Votre passage en tant qu'ouvrier agricole dans notre ville. Oh, je n'ai jamais vécu de cette façon-là. Donc vous partez vers l'ouest. Vous suivez votre rêve. C'est ça. Ça fait tellement d'années que j'y pense. C'était mon plan depuis longtemps. Un plan, ça peut changer. Ouais, peut-être bien. Un instant, monsieur Davis. Shérif. J'ai reçu des nouvelles de Daniel Whittaker. Ils l'ont pendu? Non. Il a échappé au nœud coulant. Il a eu 6 mois de travaux enchaînés. C'est une bonne nouvelle? Peut-être bien. Peut-être juste pour retarder l'inévitable. Je n'oublierai jamais. Mais c'était bien de vous voir danser l'autre soir. Hélène m'a semblé très belle. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle était belle. Mm-hmm. Oh, mes douleurs sont de retour. Grosse tempête en vue. Méfiez-vous de cette échelle. N'allez pas vous briser le cou. Je vais me méfier, Cassie. Bonjour, Clark. Bonjour. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, en effet. Très belle. Vous réparez le toit? Oui, il faut pas perdre de temps pour le remettre en état. Le shérif prévoit un gros orage. Je crois que ces vieilles douleurs se trompent cette fois. Je préfère le croire. Je crois que le shérif Holden avait raison encore une fois. Apparemment, oui. Ça aurait pu attendre quelques jours, le temps que je finisse de réparer. Vous êtes sûr que le toit va supporter l'orage? C'est à vous. Est-ce que le bétail est à l'abri? Je l'ai rentré dans la grange avant l'orage. C'est toujours à vous. C'est à vous de jouer. Il pleut de plus en plus fort. Effectivement. Oh,
Oh, j'aurais dû commencer par le toit quand je suis arrivé ici. Où allez-vous? Tous les outils sont restés là-haut. J'ai pas fini. Ça attendra. Il tombe des cordes. Eh ben, un peu d'eau ne fait de mal à personne. Je vais aller voir ce qu'il en est. Clark, je vous en prie. Restez là. Les éclairs pourraient le toucher. Encore plus s'il est sur le toit. Tu crois que ça va bien se passer, Ellie? Seigneur, je l'espère. Faut que tu lui demandes de descendre. D'accord, je vais essayer. Au cas où tu n'aurais rien remarqué, il est très obstiné. Il est mort. J'ai pas pu finir à temps. Je suis désolé, je vais retourner m'allonger dans la grange. Non, non, non. Vous dormirez ici ce soir. On dormira près de la cheminée, nous. Vous restez ici cette nuit. Comment va votre crâne? C'est douloureux. Vous souffrez? Non. Bon, ce n'est pas une commotion. Si, tu veux bien lui préparer un peu de café. J'ai eu si peur quand vous êtes tombé. J'ai cru vous avoir perdu. Mais j'aurais dû savoir que le Seigneur qui vous a mené ici ne pouvait vous abandonner. Et il a entendu. Oui, il a entendu. Hélène, repose-toi. Mon amour. Seigneur, vous nous délivrez du mal, vous empêchez les malheurs de s'abattre sur notre maison. Nous sommes sous votre protection. Alors merci de protéger aussi Clark. Clark, êtes-vous sûr de pouvoir rester debout? Comment se porte le bétail? Ils sont tous là, à part la vache laitière. La tempête a ouvert la porte la nuit dernière. Elle n'ira pas loin. Je vais voir dans la prairie. Moi, je vais voir dans les bois. Elle a dû se mettre à couvert. Je viens avec vous. Son lait risque d'être mauvais pendant quelques jours. La peur peut provoquer ce genre de choses à une vache. Ça n'a pas d'importance. Vous marchez avec une certaine raideur. Je me sens encore un peu engourdi. C'est douloureux. J'ai eu si peur quand vous êtes tombé hier soir. Une chance que je sois pas blessé, ou pire encore. Rien ne s'est produit. C'est un miracle, pur et simple. Dieu a été fidèle à sa promesse. Très tard, hier soir, quand la tempête s'est calmée, j'ai récité une prière. J'avais pas fait ça depuis des années. Clark. Je crois que j'ai peut-être retrouvé un peu de la foi que j'avais avant. Quand j'étais enfant, ma mère et mon père m'emmenaient à l'église. Vous ne m'aviez jamais dit que vous alliez à l'église. J'ignore ce qui s'est passé. Je crois que je me suis éloigné peu à peu de la religion. Hier soir, vous m'avez embrassé sur le front. Vous avez dit mon amour. Je croyais que vous dormiez. Vous le pensiez? Oui, je le pensais. Et je le pense toujours. Ah!
Merci de briser l'ambiance, Sarah. Allons-y. Donc vous n'allez plus en Californie? Je réfléchis. Comme dit si bien Milly, les plans peuvent changer. Il y a quelque chose de spécial qui vous fait changer vos plans? Oh, oh. Il descend. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ravi de te revoir. Bonjour. Ça va? Bonjour. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est bien lui. Oh, bon sang. Qui est-ce? Jake Weller. Que comptes-tu faire? Je crois qu'il faudrait que j'aille le voir. Que vas-tu lui dire? Je l'ignore. Clark, je... Non, non, faites comme vous le pensez. Ce sera bien. Bonjour, Jack. Ah! Bonjour, Hélène. Tu es vivant. Pourquoi ne serais-je pas en vie? Je n'espérais pas te revoir un jour. Mais je t'avais dit que j'en reviendrais. Tu avais dit ça il y a 2 ans. Pas un mot depuis ce jour-là. Je te croyais mort. C'est si bon de te revoir. Cassie, vous devriez attendre Hélène. Moi, je vais rentrer. Il faut dételer les chevaux. Vous ne voulez pas voir ce qui va se passer? Non, ça m'intéresse pas. Est-ce que Milly tient toujours boutique? D'accord, alors allons-y si tu veux bien. On va rattraper tout ce temps. D'accord. On va rattraper tout ce temps, en effet. J'ai touché le pactole. J'ai trouvé assez d'or pour me payer un petit pays. Je me suis acheté une magnifique maison à San Francisco, en haut sur la colline. Tu peux voir l'océan Pacifique toute la journée. Je suis vraiment heureuse pour toi, Jack. Ah, tu vas l'adorer, toi aussi. J'ai peine à imaginer vivre à San Francisco. Oui, moi non plus au départ, mais... Regarde-moi. Tu sembles comblée et tout à fait sûre de toi. Ouais, et me revoilà, Hélène. Et riche maintenant, comme je me l'étais promis. Et je suis assis à cette table juste en face de toi et... Je te demande de m'épouser. Tu me demandes de t'épouser? Ouais. Oui, je te le demande, Hélène Barlow. Veux-tu m'épouser? Je suis désolée. Moi aussi. Je retourne dormir sur la colline. J'y resterai jusqu'à la fin de mon travail ici. Je sais que vous êtes malheureux et que vous souffrez. Ça se peut. Ça va aller.
Millie, un jour, m'a dit qu'il y avait une différence entre avoir une attirance et être amoureux. Et aujourd'hui, je crois que j'ai compris. Vous m'avez parlé de mauvais souvenirs qui viennent vous hanter. Dans ma vie, il n'y a de la place que pour un seul homme. Et c'est l'homme que je veux épouser. Cet homme, c'est Clark Davis. Vous êtes sûre? Je n'ai jamais été aussi sûre de moi, jamais, de toute ma vie. Aujourd'hui, rien ne m'importe plus dans la vie que vous. Rien que vous. Voulez-vous m'épouser? Je vous déclare à présent mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Clark Davis n'alla jamais jusqu'en Californie. Il ne fit jamais fortune grâce à l'or et ne vit jamais la grande muraille de Chine. Au lieu de cela, il trouva sa place dans la ferme des Barlow, dans nos vies et dans nos cœurs. Car le vrai trésor est là où se trouve l'amour.